le pouce bleu si t'as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci. Et salut tout le monde, c'est Dayoum, on se retrouve sur Armoire de Warfare en Global Ops avec le Challenger 1 Falcon et on est avec Henry Cole. Salut. Parce que c'est mieux de faire des vidéos à deux. Et on rush pour un 2 comme d'hab. Oui. Avec un tank que personne ne voit. C'est ça, qui pourtant est plutôt sympathique, genre bon blindage, drôle, hein. Puissance de feu plutôt raisonnable. Bon, un chouïa long sur le reload. Oh encore, oui. Mais il y a moyen de prendre des rétrofits. C'est honorable. Non, tu prends des belles bosses là. Oui, j'ai fait un petit stunt. Et tu vois, l'erreur que font nos collègues, c'est de s'arrêter pour tirer sur l'IA. Non, il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter. Faut rusher. C'est tu roules de toute ta puissance et de toute ta vitesse vers les points à capturer et tu les captures en premier. Parce que ça te donne un avantage tellement puissant que ce soit au niveau des points. Genre de la position, violent. Tout simplement. Genre violent. Et le BMP4 s'arrête pour encore faire des bottes. Mais oui. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Prendre les virages, c'est un peu long. On a un léopard de la 5 qui a rush. C'est cool. Bonne initiative de sa part. Ouais. Oh, il y a un léopard de A5. Mais c'est bon, on va pouvoir. Du gros, ça se dit du gros, ça. Le 2A5, on peut le percer sans trop de problème. Il a un weak spot assez évident. Au niveau du driver, non? Ouais. Tu tires un peu à gauche de la caisse quand il est en face. Bon, le bot il me casse un peu les. Ok. Ok, il est très. Ah! Oula, elle a fait mal à l'arsenal. Non, faut faire gaffe, ils ont l'arti qui nous regarde. Avec violence et sans parcimonie. Il peut me tirer dessus, là, il y a le. Bon. Ouais, j'espère qu'on a assez de gens sur le point. Le point. On a personne. Ah, mais le point, non, mais. Ah, le XM1 il s'est mis pile devant quand j'allais tirer, j'aurais pu tuer le. Le 2A5. Oh, ça a cassé. Ouais, je m'en suis occupé. Le problème, c'est qu'on a personne sur le point 1. C'est tendu. En fait, tout le monde a rush le point là, tout le monde est ici. Les deux teams. Le T90, faut faire gaffe, il a le même. Il va te percer le. Voilà. Oui, il a cassé le point. Et de te montrer. Bah surtout le truc c'est que je connais pas ses weak points de face au TK. Il a une sorte de coupole, pas de coupole, à l'avant. Même que pour le léopard de A5, l'endroit du driver tu le perces. Mais là pour l'instant on la cap, c'est ça. On la cap, il faut que quelqu'un respawn ou aille au point 1. Je sais pas si on a un truc léger ou un truc comme ça qui peut y aller, mais il faut que quelqu'un le fasse. Puisqu'on va en avoir extrêmement besoin. Là-bas. Si je suis down. J'ai pas eu le temps de aim. Ah, critical. J'en tousse, putain. What? En tout cas, on a eu la supériorité sur ce point-là, c'est cool. J'ai tenté. Ah, TGM. Ok, c'est bon, c'est toi qui l'as pris pour moi. Ah, l'artillerie, putain de TGM! Non! Bah. Repli stratégique. Fumigène! Ça n'a pas marché. moi je dis on essaye de décaler au point. On a un M2 Bradley qui y va, mais ce serait intéressant de le faire. Ou juste de décaler vers l'arrière parce qu'ils sont en train de nous contourner les sagouins. Eh. Ils sont passés par 3 et ils nous contournent. Léopard de A5. Ah, TGM encore. Space Tarma. Percé. Ok, il vient de tirer, c'est cool. Nice. Ok, direction point 1-3. On va essayer de reprendre le pont. Yep. Ici pour ceux qui ne le savent pas, on peut respawn, même tout le temps en fait. Tout le temps. Et ce mode de jeu est juste énorme. C'est ça. C'est problématique. Ils sont au top, ils sont assez. Ils ont des gros solides pour prendre le point. Faut vraiment qu'on prenne le pont pour pallier à ce qu'ils ont fait au top. Là on est quand même pas mal pour aller au point 3. Ouais. Il faut qu'un warrior prenne 1, ça. C'est... Je vais prévenir qu'il faut faire gaffe au point 1 au-dessus. Faut pas qu'il nous contourne, basiquement. On va bientôt arriver vers la phase 2 dans tous les cas. Dès qu'on aura repris, je pense, on y sera. Mais le but, c'est de moins de reprendre le point. Normalement, on a assez d'HP que pour résister à une si grosse attaque de leur. Moi, j'ai peut-être assez de HP, par contre, pour monter des pentes, c'est pas vraiment ça. Hein. Je t'ai vu. Enfin, j'ai voulu te donner un coup, mais. J'avais peur de faire trop de damage. Parce que moi dans mon stream hier, genre, j'avais plus que 3 PV. J'allais vers une zone de réparation.
et j'ai foncé dans un collègue. Je suis mort. Bruh. Bruh. Point 3 KP. Ouais, je propose drone de progresser, vers là, vu que des fois t'as des wildcards qui spawnent ici, ce serait intéressant de la choper. Puis aussi on peut buter ce léopard. Oh. Ah, j'ai eu peur de tirer parce qu'il y avait notre collègue. Ah TGM. Ah TGM. Tout parce qu'on est tellement groupé que la TGM, tu sais pas trop vers qui il va quoi. Il perd le guidage en fait, je pense. Artillerie. Ah, il y a le. Putain, l'artillerie vient de loin. Il y a le truc là, le. Ouais. Oh. Ça, c'est moi par contre. Ça, c'est moi ça. Aïe. VB. VB, non, VB. La caisse de matraque. VB ou V. Non, c'est VBR. Oui, c'est VBR ça. Comment ça s'appelle? Est-ce que ça s'appelle Gobo ça? J'ai pas vu, mais un peu. Je tentais de péter. Come on, drone, team. Ah, nous sommes à 1940 points, 1930. Là. Ah, c'est droit devant super moi. C'est dur de tirer sur les drones. Help. J'arrive. On a un collègue dans son cul, ça devrait le. Elle vient d'où l'artillerie? Crave. Nice. Derrière nous, il y a un VBL. Non. Un VBL et un VBR. Moi, il a cassé ma traque. Bah, elle vient. L'artillerie est par là-bas. Elle est un peu partout. Come to me. J'ai une hit. Merde, merde, je voulais pas charger la hit. Bah, elle vient d'où les artilleries Oula. A mon avis, les artilleries elles sont en A0 ou un truc comme ça quoi. Faut qu'on spawn mid pour choper le. Je vais pas survivre très longtemps. Faut qu'on chope la wildcard, c'est quand on a un assaulteur qui va la choper. Bah, tu vas pas survivre très longtemps avec un Léo de. Un bonjour, copain de Léopard. Au revoir. Okay, on va avoir les pillbox. Bon, y'a moyen qu'on la gagne, c'est pas encore. C'est ça. Tout à fait perdu. C'est pas perdu. Ça dépend des wildcards aussi, on va justement avoir des pillbox qui peuvent changer complètement le cours de la game. Faut qu'on apporte du support au point 4, je pense. Bon, moi j'attends de spawn. Non, au point 5 en fait, ils sont très nombreux au point 5. C'est oui. Ils sont en 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais pas charger la hit, je vais charger la. La PFDS. La PFDS. C'est bon, c'était ça. On l'a bien dit du premier coup. Ouais. APFSDS, on n'a pas bien dit. Presque. Ouais. Moi du montage me corrigera. Mec, il se corrige via le montage, c'est de la triche. Enfin, je mets juste un texte, hein. Rien de plus. C'est de la triche. Oh, j'ai réussi à reset. Sérieux? Ouais. Ouais, c'est qu'ils sont deux, donc ça a pas bien reset, mais bon. J'arrive. Mec. Pourquoi c'est pas destructible, ça? Module détruit. Youpi. J'aime bien quand tu tires dans la viewport du Challenger 1 mais que ça passe pas. J'ai perdu le weak spot du. Oh non, j'ai Bruins. Mais, par contre, je comprendrai jamais comment les gens ils peuvent tirer dans mes weak points et tout comme ça en mode super facile. Genre quand je suis de face, ils tirent dans mon viewport super easy. Par contre, quand c'est moi qui vise le viewport d'un mec et tout ça, genre ça passe jamais. Genre jamais. Pour ça, c'est un contenir. C'est tiré en roulant là tout de vue. Oui, mais pour passer il faut que j'aille choper la pitbox. Parce qu'ils vont j'essaie aller au point 9, max. Ils vont essayer de le capturer. J'essaie de les tenir un maximum. Ouais, faut que je puisse capturer ça assez vite. J'ai un léopard qui va venir m'aider. Tant que le TK nous demande, j'arrive à garder son attention, ça va. J'ai réparé mon moteur, 18 secondes avant la capture. Mais léopard, viens m'aider à le capturer plus vite, qui est con. Les gens ils comprennent pas que même les wildcards il faut les capturer à plusieurs pour que ce soit plus rapide. Ça change la vie quoi. Non mais encore le mode est encore récent, ils ont encore du mal. Ouais. Alors contre je vais me faire rusher. Ah je pense. Jamais.
Oups. S'il s'approche, il y a des pillbox. Come on. Bon, je m'attends à ce qu'il fasse des dégâts et pillbox donc. Oh oui, il a des dracs. Oh non, il est plus des dracs. J'avais la joie en moi. Bon, coup, j'ai fait disparaître mon truc. Oh, oh. Oh, oh. Il fait quoi ce léopard? Je sais pas, j'essaie de la comprendre, mais. Va dans son cul, toi. Coucou. Oh oh, ça pas. Ah non, non. Voilà. J'ai pris un coup dans les fesses, j'en ai même pris deux. Challenger 1 plus T90 qui m'a pas fait masse de dégâts étonnamment. Et non. Je comprendrai jamais ça. Genre. Il tire au même endroit à chaque fois pour me percer. J'ai beau bouger de gauche à droite, il arrive à toucher non-stop, moi je peux pas. Genre quoi que je fasse, c'est impossible que je touche ce viewport, ça va toujours à côté ou ça bounce ou autre. C'est vivant qu'il fasse le rebalance 2.0 et qu'il fasse des weak points où c'est pas du pixel perfect. Parce que c'est une partie du jeu qui me fait un peu chier. Ah, je me suis fait rec. Bah elle est complexe mais bon... Vas-y, reste bien là toi. C'est pourquoi la partie d'avant on a gagné et la partie où je record on perd. Parce que c'est la malédiction du bouton F9. C'est un peu ça, je devrais changer de keybind. Oh là là, ils ont touché ma chenille. Mais genre, c'est cette, là... cette partie, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que 2400 de dégâts. J'ai pas fait grand chose non plus. C'était un peu rip comme game. Mais ça prouve qu'on peut pas que. On peut très bien voir la rage du XMA. C'est ça. Je crois qu'il prend peut-être le jeu un peu trop au sérieux. Peut-être. It's a game. Genre les gens ils sont tellement salés, c'est impressionnant. C'est depuis la dernière vidéo sur le T64 Shark, ça c'est violent. T80 Shark. J'ai dit quoi? T64. Et ouais, attention, c'est un peu plus haut comme chiffre. Bon, dégâts, j'en ai fait 4000, presque 5000. Ouais, j'ai rien fait comme dégâts. Je me demande combien de crédits j'ai fait. Bah, en faisant rien, genre vraiment rien de la game, pourtant j'ai essayé, j'ai quand même fait un 500 000 de crédits. C'est plutôt appréciable. Ok. C'est plutôt sympathique. On n'a pas la durée de la game, non? Tout va bien. Parce que moi je pense que la game était assez longue pour faire une vidéo entière. Oui, hein. Donc moi je vais vous laisser de mon côté, même si c'était pas une victoire. Eh bien, de toute façon, la vie, c'est pas que des victoires, voilà. Beaucoup de défaites. Et pourquoi ça part en philosophie, je sais pas pourquoi. Donc, merci à vous d'avoir regardé, merci à toi d'avoir participé comme d'habitude. Avec plaisir. Et je te laisse le mot de la fin. Calme-toi.